Je voudrais témoigner qu'un de mes étudiants, Simon, a volé mon éventail. Je vous le rends. Ouais, ça fait 20 ans. 20 ans cet été. 22. Ah bah moi, c'est toutes ces cultures mélangées, je trouve ça exceptionnel. Et aussi le plaisir de travailler sur des documents authentiques et de créer nos cours. J'aime beaucoup ça. Moi, j'adore la grammaire. Moi, ce que j'aime, c'est le contact avec nos étudiants, c'est de travailler avec des personnes jeunes. Oui, parce que ça nous empêche de devenir des vieilles femmes désagréables. Et ce que j'aime, c'est la gaieté et la joie dans laquelle on travaille. Dans nos... C'est-à-dire qu'on a l'impression de s'amuser, même si en réalité on travaille. Alors moi, dans ce groupe, il y a des étudiants que j'aime beaucoup. Je les trouve très mignons et très sympathiques, donc je mets des bonnes notes. Et puis il y a des étudiants que j'aime pas. Par exemple. Alors, par exemple, Tasha. Ceux-là, tant pis. Alors moi, moi je les aime beaucoup. Hypocrite. C'était super sympa, adorable, voilà. Moi j'en ai pas de meilleur. Il y en a beaucoup de bons. Pour moi évidemment c'est vous. Pour moi évidemment c'est vous. C'est vous, c'est vous. Oh, Mantine. Non mais c'est vrai qu'à chaque fois on a l'impression que le groupe suivant ne sera pas mieux, mais finalement il est différent, mais c'est génial aussi. Enfin, il faut dire la vérité, parfois on a des groupes difficiles et désagréables, et dans ces moments-là le trimestre est long, très long, très long, mais c'est rare. Heureusement, et la plupart du temps, on arrive à travailler dans la bonne humeur. Yes, I love you. Me too. También. Venez à Pau. À Pau, vous avez une université exceptionnelle, des enseignants universitaires exceptionnels, impliqués. Venez à Pau. Un joli campus. Un joli campus, un temps magnifique. Venez à Pau. C'est ça, ouais. Je voudrais témoigner qu'il m'a rendu mon éventail.